Ils utilisent un protocole de sécurité que je ne connais pas bien. Et les fenêtres sont en verre blindé. Le brouilleur dans le local décelé pourrait faire l'affaire. Alfred, impossible d'accéder au local décelé. Je dois trouver un autre chemin. Le local décelé, monsieur ? Eh bien, selon ses plans, il se trouve à côté d'une vieille cage d'ascenseur à laquelle on accède via l'infirmerie. Vous devriez pouvoir entrer par là-bas. Je l'ai indiqué sur votre carte. On signale notre 622 aux étages inférieurs. Il faut des équipes de sécurité dans ce secteur immédiatement. Laissez-moi sortir. Hey, Toutou, il y a des caméras dans le coin. On peut laisser sortir personne. Là-dedans, si on laisse sortir ce taré, ce sera un vrai bordel là-dedans. J'ai dit, laissez-moi sortir. Et moi j'ai dit, on laisse sortir personne. Mais il n'y a pas de mal à lui parler du système de verrouillage de la porte là-bas. Celui qu'on vient de faire réparer ? Bah, pour être honnête, je sais pas si ça a été bien réparé. Si j'étais vous, je ne traînerais pas. On te laissera bientôt tranquille. Ta tête est mise à prix. T'es venu la livrer toi-même ? J'avais entendu des rumeurs, mais je pensais que c'était des conneries. Parfait. Vous avez atteint l'infirmerie. Maintenant, cherchez l'entrée d'une vieille cage d'ascenseur. Cela vous conduira au local décelé. C'est bon.
Je devrais pouvoir contourner la sécurité sur la porte de la salle du serveur. Devrait me permettre de franchir cette porte. Ils vont nous laisser sortir, ou on sortira par leurs propres moyens. C'est pas un Noël si pourri finalement. Il a pris des otages. Bordel, où sont passés les autres poulets? Batman les a peut-être tous tués. Quelqu'un s'est forcé de faire autre. Pas. Vous les libérez pour les frapper? Je n'ai pas déclenché cette émeute. C'était Branden et les agents du SWAT. C'est ça. Un flic ferait jamais une chose pareille. Je parie que vous venez d'arriver.
personnel. C'est bon, on dégage. Le 622 a quitté les cellules. J'ai un pouls. C'est bon, ça suffit comme ça. On l'emmène à l'hôpital de Gotham. D'accord, dès qu'il sera stabilisé. Accéder à la base de données nationale des criminels. Elle est juste là. Vous devez passer beaucoup de temps ici. Chouette, Matos. Vous contournez la sécurité du réseau. Mais vous allez devoir raccorder physiquement l'intranet au câble de communication externe pour vous connecter. Ce genre de connaissances pourrait poser des problèmes à une jeune fille. Il passe sous le bâtiment. Qui ça? Les câbles de communication. On y accède via les égouts. Attendez. Pourquoi est-ce que vous faites tout ça? Parce que j'ai fait une promesse. Alfred, je suis en train de sortir. Mais avant d'accéder au serveur à distance, je dois pirater les câbles de communication sous le GCPD. Vous devriez pouvoir y accéder depuis les égouts qui passent sous le bâtiment. J'indique l'entrée la plus proche sur votre carte. L'homme du pingouin indique que le brouilleur pouvait dérégler leurs armes. C'est pas possible! Je crois que c'est un spécialiste des arts martiaux. Quoi? Frappez au maximum, les gars! J'ai pas si vite pour ça.
De mon côté... De mon côté, on n'enfreint pas la loi. De mon côté, on n'a pas le droit de briser les os et les dents de nos suspects. On a gagné le respect de Gotham. Si c'était vrai, je ne saurais pas. Gordon, sortez de la ligne de tir! Ne tirez pas. S'il bouge, descendez-vous. Vous n'avez nulle part où aller. Bougez, Gordon! Je vais l'éliminer! J'ai indiqué une plaque d'égout proche sur votre carte. Ces tunnels vous mèneront directement sous le GCPD. Beau travail, Alfred. Monsieur, tâchez d'éviter de trop traîner dans la... la boue en bas. N'oubliez pas celui qui nettoie votre tenue. Allô? Allô? Batman? C'est Barbara. Désolée de pirater vos coms, mais j'ai besoin d'un service. Des caisses de preuves ont disparu. C'est du matériel de l'armée et personne ne s'en soucie. Je vais vous envoyer leur position GPS. Utilisez votre brouilleur d'armes sur les caisses que vous trouverez. Ça grillera les circuits et rendra le contenu inutile. T'es perdu? T'en fais pas. Allez, c'est juste que son cerveau n'a pas été conçu pour ça.